Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de ces temps-ci de vous faire des vidéos Fortnite. Là cette fois-ci j'ai vu la boutique et là je peux vous dire qu'il y a du lourd. Les skins de Noël sont revenus et ils sont là. C'est le chasseur polaire ainsi que le skin en féminin. On a aussi la petite pioche qui est juste là. Voilà, donc c'est vraiment plutôt sympathique, je vais l'acheter direct. Donc là, on peut voir que je suis que à 500 V-Bucks, mais là, il faut que je mette 10 euros en plus. Donc c'est pour ça, si vous aimez les achats de boutique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et au niveau des likes, c'est le plus important. Et là, on a aussi le petit planeur que je vais pas acheter, parce que moi, je suis pas trop fan des planeurs assez basiques. Et puis là, on a le chasseur polaire que je vais acheter directement. Puis on l'a aussi en féminin, c'est le soldat laineux au prix de 800 V-Bucks. On a aussi celui-ci qui est sorti il y a 2 jours il me semble, c'est le modulomètre. Personnellement j'accroche pas trop. On a le skin crapule, alors moi je l'ai en féminin au prix de 1500 V-Bucks. On a celui-ci que j'ai déjà. On a aussi une petite danse. Voilà. On a une danse grand amour. Et on a un skin que j'aime beaucoup également, c'est le skin semblance. Bien sûr, une fois que j'aurai acheté les skins, on va faire un petit test pour voir un peu ce que ça donne. Donc c'est parti, on va se retrouver après. Là, je vais pouvoir mettre 1000 V-Bucks, c'est-à-dire 10 euros. Allez, à tout de suite. Et voilà, ça me dit qu'il y a un accusé de réception qui a été envoyé. Et là, j'ai 1000 V-Bucks en plus. Donc c'est parti, là, j'ai plus qu'à acheter le chasseur polaire. Donc c'est parti, tac, je l'ai acheté. Et ça fait plaisir hein, parce qu'il est revenu. Normalement c'était un skin rare. Donc là comme ça va être bientôt Noël, bah, ils ont mis ces skins là. Et là au passage je vais acheter la pioche au prix de 500 V-Bucks. C'est parti, voilà. Et comme il me reste 200 V-Bucks, je vais garder pour les prochaines vidéos achat de boutique. Maintenant c'est parti, on va faire un petit test. Et là on va mettre en solo. Au passage vous pouvez voir que je suis rendu au palier 14 du pass de combat. Là je vais bientôt pouvoir débloquer ce petit planeur traîneau tactique. Les défis, eux, vont se remettre dans 5 jours, donc là, j'ai vraiment hâte. Là, je suis en train de faire une petite game, voilà, ça va être vite fait, hein. C'est juste pour voir à quoi ressemble le skin en partie. Et là, on peut voir au passage que j'ai un petit camouflage en vert, c'est celui du pass de combat. Donc là aussi, j'ai oublié de changer de sac à dos, je suis totalement débile. Mais en tout cas, on peut voir, la pioche, elle est vraiment pas mal, hein. Quand je tape avec, bon, il n'y a pas de bruit spécifique, en même temps, pour 500 V-Bucks, il n'y a pas vraiment à se plaindre. Mais c'est plutôt pas mal niveau design. Et puis vous allez me dire pourquoi j'ai acheté ce skin à la pioche. Bah quand ça va plus être la période de Noël, bah ça me rappellera toujours cette période. Puis en soi le skin est vraiment pas mal hein. 800 V-Bucks, faut pas vraiment cracher dessus hein, comme on dit. Franchement si vous avez au minimum 1000 V-Bucks qui traînent, foncez, achetez le skin, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu le skin et la pioche en pleine game. J'espère que la vidéo vous aura énormément plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir au niveau des likes et des commentaires. De vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi sur ce, je vous laisse, c'était Pez. Bye bye tout le monde.